base d'Opel Vivaro, idem Renault Trafic 2 rallongé. L'objectif était d'avoir un minibus ou un van le plus neutre possible, de façon à pouvoir se garer n'importe où sans être trop dérangé et sans attirer plus que ça l'attention. D'extérieur, rien de particulier, les vitres ont été surteintées à partir d'un kit acheté chez Variance Auto, un site internet. Des déflecteurs à l'avant pour pouvoir entrouvrir légèrement les vitres avant. Tout le reste est d'origine, il n'y a pas d'aménagement extérieur particulier. Donc le teintage, la teinte des vitres est posée à partir d'eau savonneuse. C'est quelque chose qui a 3 ans, qui n'a pas bougé du tout. On a fait tout l'ensemble des vitres arrière comme ça. Et puis on a isolé l'intérieur du camion avec de l'isolant multicouche que l'on met sur les vitres, ce qui finit de le rendre complètement opaque à l'extérieur. On a démonté l'ensemble des garnitures au plafond pour mettre de l'isolant multicouche. L'objectif de l'aménagement du van, c'est de pouvoir l'aménager très très vite. S'il faut 15 jours pour aménager le van, c'est pas la peine. En 1h30, le minibus est transformé, configuré pour être prêt pour partir. Donc, j'ai fait un premier casier ici avec 3 compartiments côté coffre et un compartiment coulissant côté banquette qui permet de ranger tout ce qu'on veut. Les sacs de voyage, le matelas gonflable. Dans les compartiments, on a rangé la bouteille de gaz, le chauffe-eau gaz, Camplux, qui vaut 200 euros à peu près, qui vient se poser ici. On tend entre les deux portes un rideau de douche, et ainsi on peut se doucher. Un réservoir à eau, 40 litres. Avec sa pompe et son interrupteur ici, sur lequel on a posé également donc le réchaud double gaz et puis un compartiment rangement dans lequel il y a la vaisselle, le petit matériel de bricolage, de quoi faire la cuisine, le sopalin, la petite toilette et des sandaux pour éviter que tout se casse la figure en roulant. Dans les petits espaces, on a mis une rallonge pour quand on va au camping. Là, il y a le caillebotis pour la douche. Voilà, on peut mettre tout un tas de choses. À l'intérieur du van, on a conservé la banquette arrière. La banquette intermédiaire a été déposée de manière à fixer un autre caisson qui lui aussi est aménagé en casier de rangement. Pour les vêtements, on a ici la batterie auxiliaire qui est branchée sur la batterie du véhicule avec un coupleur séparateur de manière à ce que la batterie auxiliaire charge pendant que le véhicule roule. Et ensuite on a là un tableau électrique, un miroir, la lumière. Donc ici, 3 prises 12 volts, une double prise USB avec les fusibles. Et là, un transformateur 220 qui permet d'avoir du courant dans le véhicule. Et accessoirement de la lumière. Là on a 2 prises électriques qui nous permettent de chauffer une bouilloire, de sécher les cheveux, bon rien de transcendant mais ça permet quand même d'avoir de l'électricité pour charger l'ordinateur portable, se sécher les cheveux ou se faire une tisane. Voilà, on voit l'aménagement au niveau des vitres.
pour finir, on ne le voit pas là, mais la table est coulissante. Là, elle est fixée en mode route pour ne pas se promener. Mais elle est coulissante de manière à pouvoir s'asseoir à l'abri afin de déjeuner. Et puis pour terminer, cette banquette. Est inclinable et donc il suffit de fermer la table pour pouvoir mettre un matelas gonflable qui sert de lit et qui permet de dormir dans le van en toute tranquillité. Voilà le van en configuration couchette avec un matelas pneumatique qui vient se poser à plat. C'est un van, donc, comme je le disais en début de vidéo, qui est aménageable en une heure et demie, pour un coût d'environ 500 euros, 200 euros de chauffe-eau gaz, 70 euros de réservoir d'eau, on va dire 40 euros de pompe à eau. Et puis, au niveau de l'électricité, on n'est pas très cher non plus, il faut compter une centaine d'euros pour la batterie. Le convertisseur est un convertisseur chinois bas de gamme. Voilà, donc on est à 500-600 euros à peu près de coût d'aménagement pour ce van. Donc là, nous sommes en mode lit. Le matelas gonflable a été positionné avec le duvet. Au fond, à la tête du lit, on a deux appliques aimantées LED qui font office de lampe de chevet. Et on a rajouté l'isolant réflexif sur les lunettes arrière que l'on enlève. Tout comme sur les côtés, assez facilement pour pouvoir rouler tranquillement. Ici en mode installation douche avec le caillebotis et le chauffe-eau qui est fixé à la porte du camion.